J'espère que tu vas bien. Bonsoir à toi. 5 mois consécutifs, 5e mois d'abonnement du côté de Onos Toulan. Comme ça qu'on prononce? Pas de problème. Il y a la coupe Twitch en ce moment. Il y a la coupe Twitch en ce moment? Le TFT? Ah ouais? Twitch Rivals? Ah, je suis désolé. Ouais, allez, regardez Twitch Rivals. Hein. Je pense que ça sera plus important. On va attendre. Nous, on attend juste après, une gamme de cive. Ça aide nous. Merci, le pognon de Zerator. Merci beaucoup. Fuck TFT, mais bien sûr, je suis d'accord avec toi. Il me donne jamais les bonnes cartes, putain. Mais non, mais ça m'a l'air d'être le truc le plus rapide à faire, là. Ou alors, on peut partir dans un... dans un petit Monster Train. Mais bon, voilà. J'ai pas relancé depuis un moment, Monster Train. Je refais du TFT. Je joue Sniper. Je joue les mecs à distance, là. C'est bien, j'aime bien. Ça me fait rigoler. Ça me fait rigoler. Bah... encore un super mission Steve, merci Lège, nous dit Onos Toulan. Et bah merci à toi pour ces compliments, merci à toi pour tout ça, pour ton abonnement et pour ces mots qui me font droit au cœur. Voilà, pas d'ironie, pas de second degré. C'est très gentil à toi. Et si vous avez apprécié, n'hésitez pas à le dire. Et si vous n'avez pas apprécié, hésitez un peu à le dire, puis après dites-le. Voilà. J'ai plus de PC pour jouer à Steve, du coup je joue sur Switch. Oula. Pas sûr que ce soit une bonne idée, ça. Mission 6, c'est l'émission à ne pas rater. Lance Ghost of Tsushima. Très cool, Mission 6. Est-ce que vous avez appris des trucs? Tu regarderas la VOD? Vraiment, Kamja? C'est cool. Ça fait plaisir à entendre. En plus, avec le patch, etc., avec la mise à jour, enfin le patch, le pack Ethiopie. Voilà, si vous n'étiez pas forcément là directement à 17h02 quand la vidéo est sortie, nous on était là. Voilà, nous on était là et on a regardé ça et on s'est dit, il y a des trucs à faire. Vive l'Ethiopie, vive Firaxis. Le jeudi soir c'est le meilleur live de live, j'ai toute la prévision. Mais oui, parce qu'en fait, on a encore 7 jours avant de faire le prochain Mission Steve, de le préparer, etc., de faire les petites images, machin, de changer Photoshop, de faire les transits, de... Vous voyez, là j'ai oublié d'enlever le son sur un truc. Il y avait 6 vidéos, j'ai oublié d'enlever le son sur une des vidéos. Ah, c'est tout loupé, tout est loupé en fait. On a niqué l'émission. On va voir l'Est sur l'Ethiopie. Ah, moi je veux clairement jouer l'Ethiopie. Je veux clairement jouer l'Ethiopie, faire deux bâtisseurs en early. Faire alors make it wop. Make it wop, make it wop. C'est pas vous, make it wop. L'aménagement du cri, make it wop. Mais vous voyez ce que je veux dire. Ah, si j'arrive en monumentalité à 40 fois par tour, moi je suis comme un ouf. L'autre il était là 80, je pense qu'il a fumé, mais bon. 80 fois par tour en mode. Malmito! Malmito! Ça l'ancestral 17 800 fois par tour. Ça l'ancestral monumentalité, histoire de encore plus. Much. J'ai forcé la maman à regarder Mission Steve pour lui montrer la passion qu'ont les gens, dont moi, pour ce jeu. Ah bah j'espère que j'ai pas dit trop de conneries, Vivino. J'espère que c'était bien, j'espère que les transitions étaient ok, que le son était bon. Je me suis pas rasé pour ta maman, tu lui diras désolé. Ah, je me rase demain. Ah, c'est bon. Ça arrive sur Keltech Dogme, l'aménagement. On imagine que c'est extrêmement early, donc peut-être mining. Peut-être maçonnerie. On imagine que peut-être astrologie. Ouais, je pense que astrologie, ça serait pas... pas idiot non plus. Mining, quand vous regardez un petit peu à quoi ça ressemble, IRL. Bon, vous vous dites qu'il faut quand même savoir l'exploit. Pour réussir l'exploitation minière. Pour réussir, voilà, à casser du caillou, quoi. Pour casser de la caillasse. Parce qu'en fait, les églises sont un peu sous terre. Ils ont creusé dans la terre, les mecs. Ouais. C'est ce que j'ai compris. Mysticisme. Mysticisme. Le bronze, peut-être. Oh, le bronze, je suis pas sûr. Mais peut-être, peut-être. Bon, on est combien? On est 5 dans le lobby, on le voit en haut à gauche. Dès qu'on voit 10 personnes, on retournera dans notre FFA, dans le lobby en attendant. On joue le petit pingouin. Les églises enterrées, c'est pour se protéger des bombardements. Ouais, ils avaient prévu ça, les mecs. L'observatoire majeur aurait dû être débloqué à l'astrologie. Ah ouais, pourquoi? C'est pas un peu bizarre avec le campus? Twitch, j'avais pas prévu le début du stream, trop rapide le début de mission si, mais envoie un mail à Twitch, putain! Je suis au boulot, on peut m'expliquer en 30 secondes les points forts de l'Ethiopie, nous demande Bok TV. Bah, on peut pas répondre. On peut pas répondre, faudra regarder la VOD, Bok, même si t'as pas le petit jus, t'auras la possibilité de regarder la VOD. Salut Doberman. Astrologie, astronomie, c'est différent. Ouais.
Ah, pour l'observatoire, astronomie. Alors si on le débloque sur astronomie, c'est un peu plus loin du coup. Mais voilà, je viens de comprendre. Bonjour Softile, t'as regardé l'émission Sim ou pas? N'empêche, très bon choix de musique encore une fois. Bah quand on sera ban, on pourra le répéter là. Ah c'était de la bonne musique hein, qu'on avait. Mais après il est mort. Qu'est-ce qu'on prend? Jarvan? Oh. Ouais Jarvan c'est fort Jarvan. On m'a dit c'est fort. Je vais faire. Je vais aller voir la rediff avant de dormir. Sauf Talu. On fait un TFT. Ne vomis pas devant ton PC. On est en lobby Civ en même temps. Voilà, on a pris Jarvan, bon perso. Ça n'a pas été patch, ça n'a pas été patch, j'ai pas l'impression. J'aurais bien voulu avoir un Warmog dessus, mais bon. On prendra une petite griffe à un moment, voilà, ou un zéphyr, un petit zéphyr. Donc on sait pas sur quoi on part. On sait pas sur quoi on part, mais il y aura une karma, et si on peut avoir un jean, c'est parfait. Ouais. Bien joué, t'as J4, c'est top 1, normalement. Cool. Ah, protecteur, on est parti protecteur. Oh, Nico. Oh, j'ai eu Nico avec une main Nico. C'est bizarre. C'est quoi l'UU éthiopien? C'est Lobono. Lobono? Je sais plus comment ça s'appelle. Bon bah là. Là on reste sur ça actuellement. L'Oromo. Alors c'est con parce que Nico en début de game là contre les premiers 1v1, c'est pas terrible. Ah j'ai remarqué ça. Je sais pas sur quoi je pars après. Bah, je l'avoue, je sais pas. Peut-être un petit nocturne pour le troisième perso, pour aller dans le bac et pour tuer. Et les deux ils vont tanker un peu. Un coursier aux hormones, exactement. Oh voilà. Oh bah c'est. Oh bah. Y'a pas d'item. Mais y'a lui. Y'a le gros bonhomme. Alors, j'ai envie d'enlever ça, hein, quand même. Je le dis. Donc là, on a Jarvan 2, Malphite 2. On est bien là, non? je crois qu'on est bien là. Voilà, quelques petits items au bout d'un moment. Oh, faire un Zeki, c'est incroyable. Un Lucian, atomiseur, machin. Ah, oh, il y a encore. Mais pourquoi j'ai full mec? Alors, on va up. On va mettre ça, on va mettre le bagarreur quand même. Hop, on va mettre le bagarreur, on va mettre ça comme ça. Et après, est-ce qu'on prend les deux nocturnes? Est-ce qu'on va garder la Cassio? J'en sais rien, on va acheter déjà la petite snipeuse ici. Lui, on le gardera pas. Achète les nocturnes. Oui, d'accord. J'ai vendu la Cassio. Vous savez pas? J'aurais dû attendre le gold. Pardon. J'ai envie de faire un Zephyr. Ouais, j'ai envie de faire un Zephyr directement, mais on pourrait avoir une Warmog si on attend une deuxième Giant Bell, donc Ah putain, y'a lui qui arrive là. Y'a lui aussi, hein. En vrai, petit chrono atomiseur. Voilà, on sait plus sur quoi jouer maintenant. Ah là, c'est fini, on a perdu. Désolé. Est-ce qu'on part sur Jinx? Vous avez pas tant insisté sur son plus 4 pour toutes ces unités de toute la partie, c'est seulement sur reconnu, mais bon, on joue un âge 12. C'est très fort. Ah oui, moi je pense que c'est très fort ça. C'est vrai, on n'a pas insisté dessus. On va perdre. Oh, déconnez pas, les mecs. Non, on pleure pas, on est large. On va acheter un grec. On a l'impression. J'ai l'impression qu'on part un peu prototype quand même. Si on part prototype,
Est-ce qu'on a un autre chrono à un moment? Est-ce que chrono c'est encore intéressant? J'ai l'impression que c'est pas forcément. Est-ce qu'on peut faire 10 là? Une win, il nous faut 4. Ouais, on pourrait faire avec le chrono. Mais bon, ça nous enlève l'atomiseur. On pourra le récupérer plus loin. Là on veut les mecs qui sont level 1, on est d'accord. On est d'accord. Pré-push, comment ça? Je push l'XP? C'est ça que tu me dis? Tu développes déjà. Hein? Donc je me mets pas à 10 gold. C'est ça que tu me dis toi. c'est ça que tu me dis. C'est quoi les meilleurs items sur Kogmo? Je n'en ai aucune idée à chaque fois. Je suis là, moi je fais un runan. Moi je fais un runan dans toutes les situations quand j'ai un carry. Donc voilà. Ah bon, déjà on n'a pas lui. Une petite BF. Qu'est-ce qu'on a besoin? On a peut-être besoin du crit. Une autre Giant Belt pour faire Warmog sur Jarvan. Ah, bah j'ai pas vu. Que ça n'existe pas. Bon, j'ai pas vu. Bah oui, j'étais trop lent. Ah, on peut faire un GA. Je sais pas si c'est encore bien un GA. Moi j'ai pris un GA. On va garder ça, mais bon. Pas trop comment ça se passe. Alors on met ça? On met quoi? On met le proto. HH. Et on part sur les snipers du coup? On peut pas. HKT.
Normalement. Après, bon, il y a tout qui se tente. Parce qu'il y a une spatule là. Il y a une spatule. C'est vrai qu'on peut, tu peux. Si t'as la spatule, pourquoi pas? Pourquoi pas, on peut faire un petit dérivé. Mais il y a le Fizz là. Le Fizz. 4 gold, ceinture. C'est juicy quand même. T'as la Warmog de J4, là, okay, tout se passe bien. Okay. Merveilleux. Si on avait fait protecteur sur quelqu'un, moi j'ai une idée en tête. Tu vas me dire si c'est bien. Sur Cassiopeia. C'est fort, hein. Putain, il y a un mec qui m'a fait ça dans une game, j'étais là, mais je ne peux pas la tuer. Qu'est-ce qui se passe? Elle avait protecteur plus bleu. En général, protect, tu le mets sur les champions qui castent beaucoup. Donc elle saute pas comme elle casse tout le temps, vu qu'elle a pas beaucoup de mana. Fais la GA sur Nico, là, du coup. Nico va porter la GA. Ok, d'accord. Parce que normalement, en late game, sur ta compo finale, t'as plus Nico. Ah bon? Ouais. Et on remplace par Urgo? Non, en fait, tu vireras le 4 protecteur naturellement. Ah bon? D'accord. Ouais. Parce que tu joueras 4 Darkstar. Ah d'accord, ok, ça me va. Et c'est qui le 4ème Darkstar? Parce qu'il y a Karma. C'est Karma. Non, mais Karma Shaco. Ah, Shaco. Ouais, oui, Shaco. Big Shaq, faut pas oublier. J'avais oublié Big Shaq. Pardon, Big Shaq. Ah, Big Shaq, c'est trop fort dans tous les jeux. Ah, je suis désolé. J'avais pas cru en toi encore. Je crois que. T'inquiète. Attends, on est pas full dans la game? Non, on est pas full. J'avais oublié qu'il y avait une game de Civ qui était dans le bac. Là, on a gagné là. Ça arrive. Là, on est deuxième. Tu vas gagner. Là, t'as au moins un top 4 assuré. Avec le start que t'as. Ah ouais? T'en sors. Ouais. Bon, on prend Nautilus du coup. Non, tu level up là, tu tranquillement, voilà. Tout en restant en dessous de 50 gold. D'accord. Donc là, pas de push pour récupérer les Xao, la Rakan, rien du tout. Parce qu'on a une petite main de Nico. Si on a un Jin en plus. Il y a le Jin level 2 qui part directement, on est d'accord? Je sais pas en vrai, je sais pas. Je pense que tu vas faire un fast level 8, enfin roll level 8, et selon ce que tu touches au niveau 8, on avisera pour la Nico. Alors qu'est-ce que c'est que je peux toucher niveau 8 qui pourrait me faire changer d'avis? Une Janna par exemple. D'accord, donc Janna c'est autopique? C'est autopique. Normalement c'est ton niveau 9 Janna, mais si tu l'as niveau 8, 2, tu la prends. Puis tu bricoles quoi. Ok, d'accord. Parce que oui, effectivement, ça a l'air d'être super fort, mais j'ai jamais joué. J'étais là, ouais, mais non, mais les bonus, c'est pas les bonus. Donc, bon. Pas joué. En tout cas, la Warmog là sur Jarvan, pouf! Ah, mais Warmog Jarvan, c'est actuellement la meilleure chose que tu peux avoir dans le jeu. Hein. Ah, c'est lourd. T'as la Warmog Jarvan, tu peux juste AFK en fait. Hein. Il joue tout seul. Hein. Même pas un petit roll là pour la H2? Non, on push. Non, 7. Non, tu level up, ça va venir tout seul tranquillement, faut que tu passes les niveaux. Et je remets une deuxième hache. Qu'est-ce que t'as là? Ouais, pose une hache. Si tu trouves un quatrième être céleste, tu le poseras. Lulu? Ou une bonne unité. Lulu ouais. Karma? Pour le mystique en plus? Est-ce qu'on joue Soraka? Normalement, tu joueras Soraka, ouais. Ah ouais? Parce que moi, yes. Je trouvais ça super fort en ce moment. Putain, il y a une spatule. Il y a des BF partout. Ah, ça, c'est un Shaco. Hein. Je te dis, c'est Shaco, hein. C'est Big Shaco. Alors avec quoi? Tiens, Nico ton jean, allez, Nico ton jean là. T'es sûr? Ouais, allez. T'es sûr? C'est parti, je suis pas, si je suis full sûr. Je le fais, je le mets. Hein. Ouais, vas-y. Ok. Donc il a pas de stuff, mais je mets le petit arc. Tu mets l'arc et la BF sur jean. Ah bon? On fait tueur de géant. Ok, d'accord. Bah normalement dans le lobby, bon après je sais pas ton élo, mais normalement dans le lobby il y a beaucoup de gens qui ont des... Voilà, tu vois, Jarvan Warmog là, avec Giant Slayer, tu mets plus de dégâts. Allez, c'est parti. Parce qu'il a beaucoup d'HP. Eh oui, effectivement. La quatrième balle a fait mal. Oh, le casse ta gueule lui aussi. Voilà, tu peux rush le level 8 là. D'accord, ok. On va attendre de voir un petit peu si on a un petit truc à acheter, une petite Karma. Alors, Karma, ça se met directement? Ça se met un petit peu plus tard? Ça se met quand? Normalement, Karma, tu la rentres au niveau 8. Okay. Parce que t'as pas assez de place. En fait, ton niveau 7, normalement, c'est 4 protecteurs et 4 êtres célestes. Mais bon, là, t'as pas de... Qu'est-ce que c'est, t'as pas de... Xayah. C'est Xayah, voilà. T'as pas de Xayah ou une petite Lulu. La Lulu de la chance. D'accord. Xayah, genre, tu pourrais la laisser level 1, là, à la place de l'autre H. Ouais, bah ouais, parce que le 45% en heal, il est assez insane. Surtout sur un Jin 2. Jin 2, il se heal énormément quand il met des patates. C'est des impositions des mains.
si tu joues un peu à World of Warcraft. Non. Ah, dommage. Paladin heal, Paladin heal, ça fait une imposition des mains, t'es full HP. Voilà. Ok. C'est pas mal. Bon, pendant ce temps-là... Ah merde. Ah non, merde, j'ai fait une connerie. T'inquiète, tu peux, je vois le lobby se remplit, tu peux y aller, hein, y a pas de... Non, mais j'ai fait une connerie parce que j'étais toujours en train de te parler, j'allais dans le sur le Discord de chat, et non, mais on va finir la game avec toi. D'accord. Et je leur ai dit FFA9 quand même, on va voter, etc. Ah non, on pourra pas voter, on votera. Je me mettrai un moment dans le truc, t'inquiète pas, je reviendrai. Y a pas de problème. Ça sera formidable. Je remettrai le son du stream, j'écouterai. Waouh. Et juste avant de s'endormir, un petit sourcil. Waouh. Quelle bonne journée. T'en es où toi, justement, de TFT? Moi, je suis Grandmaster 500 LP là. Ok. Puis en gros, je suis dans le top 300 LP. C'est dommage pour les Worlds. J'ai compris. C'était loin. Franchement, j'ai cru les deux premières semaines, trois premières semaines là, quand j'étais dans le top 10 et que je suis resté, j'ai maintenu le top 10, mais. J'ai pas réussi. Qu'est-ce qui t'a manqué? Le temps? Non, j'ai beaucoup joué. Je pense que j'ai mis un peu plus de temps à comprendre la méta que les autres. Je pense que ça a été ça mon problème. Parce que moi j'aime bien. Moi quand je joue à FTFT, je joue des compos que j'aime bien, tu vois, même si elles sont un peu en dessous en termes de. Ouais. En termes de puissance dans la méta. Mais après, les compos en dessous dans ce genre de jeu, ça te permet aussi d'avoir des persos que tu veux et d'être peut-être plus stable. Si tout le monde joue la même compo, bah il y a moins de chances justement d'avoir la compo la plus forte. Entre guillemets, les Jarvan, ça doit être extrêmement contesté en début de partie. Et si tu pars sur des choses un peu différentes, peut-être que t'as plus de chances d'être stable. Enfin, d'être. Je sais pas, hein. Je dis ça comme ça. Oh, t'as une Janna. Si tu peux avoir Janna, tu prends Janna. Entre parenthèses. J'ai pas l'impression que je vais pouvoir la piquer. C'est dommage. T'as quoi en item? J'ai des BF et des chaînes vest. Et je peux faire Protector 6. Tu veux jouer Protector 6? Allez, on peut tenter Protector 6. Protector 6. Si, Chaco Protector, c'est pas mal. Hein. Oh, oui, monsieur. Je prends, moi j'achète ça. Alors, je vais juste regarder. Spoon d'Amori. Bonne nuit. Bonne nuit. Machin, ça c'est bon. Je reviens, je vais faire le vote. À tout de suite. Ça marche. Ok, let's vote, guys. Ok, it's up. Ouais, parfait. Alors là, on va prendre le petit jean. On peut vendre ça. Ah, on aurait pu up. Ah, je suis bête. On a pas eu de Chaco encore. Est-ce que c'est grave? C'est pas grave. Là, normalement, tu vas bientôt passer 8 et tu vas roll. Tu vas trouver Chaco. Ça, pas de problème. Ok, d'accord. Après, on a une Janna, une Soraka à mettre aussi, avec une Karma. J'ai l'impression que ça fait beaucoup de persos, ce stack. Bah là, comme on part sur 6 protecteurs, on va peut-être pas jouer Karma et tout, tu vois. Ok, d'accord. Mais par contre, on aura Urgo. Urgo, c'est fort, non? Urgo, ils l'ont changé. C'est spécial, c'est particulier. Ouais, c'est particulier. Ouais. Ah, tu peux déjà commencer à roll un petit peu, au-dessus de 50 gold. Ok. Infiltrateur. Oh, le Xerath. Oh, le Xerath. Xerath? Toi, tu veux le Xerath? Achète-le. Je le mets comme ça, tranquille. Vas-y, pose-le. Et mets la Karma. On va peut-être pas jouer ces protecteurs. Attends, ça va dépendre des items que tu vas toucher sur le round PvE. Ouh, lui il est fort, lui. Lui il est fort, lui. Niveau 7, niveau 7 0 gold, Xayah 3 et tout. Il est fort, lui. lui il est en all-in. Hein. Il est en âge d'or, le mec. Ah, mais sauf que là, après l'âge d'or en général, 44 HP, niveau 7 0 gold. Ça fait longtemps. Ah, c'est son moment fort là. Après, il aura plus rien. Il va s'essouffler. Si, il fait du sieve, vous inquiétez pas. Le lobby. Je suis en train de ban. Hop. Il y a 25 ban. J'ai tout cliqué. Hop, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a en plus? Alors, est-ce qu'on continue pour faire une Nico 3?
Vente et Jarvan, déjà, tu joueras pas Jarvan 3. Okay. Vente et Caitlyn aussi. Okay. Par contre, ouais, rachète une Nico parce que faut que tu mettes la GA de Nico, il faudra que tu la mettes sur un Shaco. D'accord. Quoique, est-ce qu'on peut... Ah, pff, quoique, on peut peut-être te faire 2 GA. Hein. Pourquoi pas. C'est vrai que t'as encore des armures et tout plein là-bas. Ah, c'est pas les items pour un Xerath, ça, je crois. Hein. Il y a 3 ouais, 4 Xerath, Xerath, il va dégager. Ah, il y a Xerath 2, c'est con. Ah, oh, Xerath 2. Ah, il y a Xerath 2 pas loin. Il est là, au bout de la porte. Ah, c'est dur, hein. Ça se refuse pas, Xerath 2 quand même. Hein. Ah, Xerath 2. Achète-le au cas où. Ouais, oh, achète-le au cas où. Et là, faut que tu rolles. Là, faut que tu rolles. Faut que t'essaies de trouver Big Shaq. Big Shaq, c'est vraiment important. Tes upgrades aussi, tes champions. Oh, rayon. Ah, dommage. Ah bon? Trop tard. Ah, ouais, c'est pas grave. Soraka, oui, non? Ouais. Ouais. Il y a trop de persos, j'ai l'impression. Attends, attends, non, mais on va rentrer des trucs, on va sortir des trucs, ça va bien aller. Tout va bien, ça, c'est lèche. Okay. On faut faire des items, alors attends. Être céleste 4. C'est bien ça. Vas-y, fais être céleste 4. Sur qui? C'est quoi? On va même. Allez, on va rush le niveau 9. Vas-y, fais un être céleste, on joue passif protecteur. On va rush le niveau 9. Sur Jarvan? Oh, peu importe, ça booste tout le monde. Ouais, vas-y, quoique, attends, y'a quoi? T'as quoi? Non, fais une double Warmog. Double. Ah non! Fais armure sur Warmog. Sur G4. Ok, d'accord. Une Brumble. Donc ça, d'accord. Tu vas poser le Céleste, le être Céleste, tu vas le poser sur Nico. Ok. Ça, je peux effectivement, direct, c'est vrai que ça marche. Être Céleste sur Nico. Là, tu veux que je fasse double Négatron sur Jarvan? Non, non, double armure. Ouf, j'ai failli le poser. Ok, double armure. J'ai failli poser. Après, on a une petite IE pour notre Jin. Est-ce que c'est non ou on attend pour l'autre là? Fais IE Jin, ouais. Ouais, c'est full bien. C'est full bien. Okay. C'est full bien, on est go. Et là, tu fais. Double Zephyr, ouais, allez, c'est parti. Double Zephyr. Allez, je sens que t'as envie de faire double Zephyr, c'est pas mal en plus. C'est double Zephyr, double Zephyr je mets sur qui je veux, sur Xinzao peut-être, pour un peu de. Sur Nico. Mets-en un sur Xerath, parce que les gens ils aiment bien corner leur carry. Ok. Et t'en mettras un autre sur Rakan ou Karma. Comme ça, tu Zephyr de chaque côté. Il m'a tué. C'est normal, fait rush au niveau 9. Donc là, c'est le moment où t'es faible en fait. Tu vas tanker quelques rounds et après tu vas être hyper strong. Ok. Ok. Alors attends, j'ai quoi comme draft? Ok, the last for trade. Alors qu'est-ce qu'on a? On a Aurélion. Est-ce qu'on achète Aurélion? Non. C'est non, non, Aurélion c'était si on le jouait protector. Mais du coup, non. D'accord. Non, là tu level up. Tu restes au-dessus de 50 gold. Et normalement, après le carousel, tu passes niveau 9. Et tu rolls. Ok. Je passe niveau 9. Décale le. Oh putain, dommage. Non, le Rakan, tu le décales d'une case. Oh, il a Janna 2 lui. Waouh. Ouais, il a Janna 2. Je dis la même chose que toi, mais t'inquiète. Ah, il a full chat, le type. Ouais, il a mis une tornade. Alors, on le kill, mais. Ah, c'est normal, t'es le meilleur. Bah, ouais, et puis c'est un ghost, non? Oh, mais même les ghosts, ça change plus rien maintenant. Ouais? D'accord. Ouais, ils sont plus moins forts comme à l'époque. D'accord. Oh, y'a un Urgo avec. Ah, Urgo, on oublie. On joue pas Urgo dans cette compo. Urgo, putain. Alors, qu'est-ce que t'as là? Non, le Jin, Renan, en vrai. Le. Renan Jin, le Renan Jin. Triple Zephyr? Moi, je suis pas contre, hein. Zephyr, ouais, ça casse les couilles aux gens. Mercure? Sur Xerath? QSS, prends la QSS. Je vois pas ce qu'il y a de bien là. Ou peut-être un Red Buff. Ouais, ah, non, c'est fini. C'était pris, ça a été acheté. QSS, avec la chance, tu vas peut-être toucher une Ginzo et tu pourras mettre une Ginzo sur le Xexé. Je pensais le revendre Xexé, mais du coup, peut-être pas. Hop. On va jouer ça. Ça oh va. Là, en plus, une game Norvège après les gens, vous avez un. Ça, c'est. Ça, c'est sauce max, hein. Nico, on l'a deux. Vas-y, et là, tu passes niveau 9. Maintenant. Wow. Et tu roll, t'essayes de trouver une Janna. Ou alors tu rentres une Soraka histoire de rentrer mystique. Mais sinon tu cherches Janna, Lulu. Non, pas Lulu.
Ah, y a 2 GP. Tu cherches une Janna ou Soraka 2. Et Shaco, non, c'est mort. Achète Shaco au cas où. Et Mercure sur Xerath, on a dit. Ouais. Moi, ça me va. Bon, moi, j'ai l'impression qu'on est bien. En gros, tu cherches Soraka. Tu cherches du coup ta Nico 3. T'achètes des Shaco. Karma 2. Et il va bien falloir enlever un truc à un moment, non? C'est Protector 4, tu disais, qui s'enlève? Et c'est à Nico 2, donc? Normalement, on joue pas Protector 4. D'accord. Oh, il y a Janna. Mais là, le problème, c'est en fait, comme t'as 4 Célestials, ça vaut peut-être le coup de garder 4 Protector. Il y a Janna. Ouais, vas-y, prends, faut prendre Janna. Et du coup, Janna... Alors, attends, faut... inverse, H et Xerath. Faut que Janna soit dans le coin, si tu préfères, pour buff tout le monde avec sa tornade. Bon, voilà, je vais essayer de me débrouiller un petit peu. Shaco, on va pas le jouer. Je suis désolé, mais là, il y a plus de place. Non, on va pas jouer Shaco, je pense. En fait, ce qui me fait chier, c'est t'as un Xerath, mais il a pas de vitesse d'attaque, c'est ça qui est chiant. Mais quoique, avec Janna, André et Jarvan, ouais, ça te va bien. Je l'ai revendu. Ouais, ça devrait fou, là. Je l'ai revendu, je l'ai revendu. Fais gaffe pas que ta game se lance au passage. Enfin, que les gens y râlent ou je sais pas quoi. Ok, c'est bon, j'ai lancé la game. Oh, y'a 3 items. Oh, y'a des bons items là. Y'a tout ce que je veux là. Très très bons items. Alors, vends les Soraka, on va pas jouer Soraka. Ok, ok. Alors, je pense qu'on va rester comme ça sur ta comp. Hein. Là, tu cherches Janna 2, Xerath 2. Peut-être tu peux acheter les jeans pour tenter jean 3, s'il n'y a pas trop de jeans dans le lobby. Mais bon, comme on scoute pas, ça en saura pas. Non, mais on scoute pas, c'est trop facile après. Ok, bah tu joues et Nico 3. Alors, le petit linceul, on va le mettre sur German. Ah non, il peut pas. Mets-le sur Rakan, le Shroud. Parce que c'est Rakan que tu vas bouger. Xerath Ouais. Ce qu'il faut que tu fasses. Vas-y, Ravadan. Inverse Janna et Xerath en position. Et inverse Nico et Jarvan. Ok, j'ai réussi. Parce qu'il faut vraiment que tu arrives à avoir. Faut vraiment que tu arrives à mettre le maximum de vitesse d'attaque sur ton Xerath. Parce que comme on n'a pas de Ginzo ou autre pour ton Xerath, c'est pas un bon Xerath là que t'as là en gros. Mais bon, ça fera l'affaire. Moi, Jarvan est parti à l'autre bout. Ouais, il est parti à l'autre bout, c'est vrai. Mais je me heal, regarde avec le Xerath. Il se full heal, il envoie des petites pastilles, il est heal. Par contre, on perd. Oh, il a Syndra 3. Waouh. Alors lui, contre lui, il faut mystique. Rachète des Soraka. Contre lui, si t'as pas mystique, c'est auto-lose. Ok. Waouh. C'est chaud. Ah, ça c'est... Cool. Comment être le mystique. Être Lulu, alors attends, Lulu, à quoi on peut... On peut enlever un Ginzao, pareil. Ah non. Le problème, là, c'était full synergie, en fait. Mais je peux être Céleste 6, là, non? Non. Je pense qu'on va enlever un Protector. Non, enlève Ginzao. Et mets le Lulu. Ok. Comme ça, tu gardes 4 êtres Céleste, tant pis pour le 4 oh, Protector. Merde. Oh merde, j'ai crash. Oh non. J'ai fait Raxis Crash. Merde. Fallait prévenir. De toute façon, t'as fini. De toute façon, c'est la fin de la game TFT. GG à toi, Lège. Voilà, comme je te l'ai dit. Merci. Top 4 assuré. Merci, voilà, Zofstyle. Merci à toi. Merci voilà, beaucoup. Moi, je vais regarder la petite FFA tranquille dans mon coin. Bisous, merci beaucoup. Bisous. Hello guys, sorry I was AFK. Rilobi, Firaxis Crash, why? Oh, I don't know. Ah, I'm sorry. Mais là, il m'avait dit quoi? On a Janna 2. C'est le Xerath. Le lieu? Bon. Are you linking it in the voting? Are we joined by profile? Join by profile, please. No problem. Ah, I don't have the save. Hey, hey. So it's a new game. Oh, okay.
I hope you don't have a good spot. Ok, it's lobby up. I'm not gonna say anything because my spam was so bad. Lobby up. Hop, on a gagné, on est en 1v1. Contre le mec qui avait. Ouais, la Syndra. Qu'est-ce qu'on veut là? On n'est pas encore en 1v1, vraiment. On aurait voulu de la RM hein, en vrai. Ou de la vitesse d'attaque. Mais bon. J'ai pas choisi. J'ai pas eu le temps de choisir. Ça nous a donné ça. Parfait. Allez Lulu, vas-y, c'est pour toi. Oh, il y a une Janna encore. On la reprend. Ouais. Alors. Il faut Mystique. Ah mais on a Mystique. Il faut une autre Lulu en vrai. Pas de Lulu. J'ai pas vu de Nico non plus. Vance Oraka. Oui, j'ai bon. Oublié. Et on rejoue contre le mec là. Hop, Harald. Oh ça va mieux. Oh ça va mieux, c'était chaud. Ah mais je fais que des dégâts. Ah oui c'est Janna. Lulu 2. Lulu 2. Elle est là. Bon, Nico, t'es bien mignonne. Bon, normalement va falloir que tu t'en ailles. Hein. Désolé de te le dire sur ce ton, mais bon. Ah Nico. Oh, Je pense qu'on est bien. Ouais, bon. On a changé. Place un Zephyr sur la Syndra. Sur la Syndra de quoi? What? Ah oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Je viens de comprendre. On est toujours en 1v1. Il a dû tuer le mec juste avant. Oh, la tornade. Oh, la tornade. Oh, ça l'a bien baisé la Syndra. C'est bon, c'est auto-win. C'est juste auto-win. Bravo à moi et bravo à Softile aussi. Bim, GG. Alors, Karin sur Xerath, bien sûr que je suis un galère. Voilà, c'était une belle win. So as. Oh, et on est promu en Challenger 1.